complètement improvisé parce que je n'avais pas prévu de tourner, même pas ce matin. Ça me prend comme ça. Et j'avais trop envie de tourner, ça me manquait de faire une vidéo pour une fois. Alors je me suis dit, je vais pas me priver. Et donc voilà, alors ce sera pas une vidéo de création, de trucs comme ça. C'est vraiment face cam, on va dire. Avec un petit montage peut-être. Donc une vidéo totalement improvisée sur... Je mettrai dans le titre mes nouveaux abonnements, mais c'est mes préférés, enfin mes nouveaux abonnements récents. Parce que la dernière vidéo date d'il y a tellement longtemps que si je fais une liste d'ici encore demain. Donc voilà, donc j'ai changé de décor parce que bon, plein de choses sont passées dans ma vie, on va dire. C'est pour ça que donc je ne suis pas chez moi. Donc je ne peux pas tourner, je n'ai pas mes affaires, toutes mes affaires. Donc c'est pour ça que j'avais précisé sur Facebook que je ne pouvais pas tourner pendant une durée indéterminée. Voilà. Parce que j'ai pas d'installation, j'ai juste cet endroit-là qui est un lit canapé. Donc voilà, donc c'est assez compliqué. Mais bon, là j'avais trop envie et je me suis dit que face à mon PC et mon téléphone, ça prenait pas de place. Donc je vous sélectionnais une, deux, trois... 5 chaînes hors contrat à la fin, oui c'est ça, 5 chaînes. Voilà, vraiment mes coups de cœur. Donc on va commencer par une chaîne qui est toute nouvelle, qui date de il y a 3 mois, enfin sa première vidéo date d'il y a 3 mois, qui est 911 Avocat. Donc c'est une chaîne qui est très récente, qui est là depuis 3 mois, enfin d'après sa première vidéo, et qui donc... Je vais vous dire les titres, ça sera plus simple vu qu'il y en a 4 et vous comprendrez peut-être mieux. Donc la première vidéo est la critique de produits. La deuxième, les clashs sur YouTube. Troisième, pardon, c'est le droit à l'image. Et la quatrième, c'est les enfants sur YouTube. Donc voilà, c'est donc je pense qu'elle est avocate, cette femme qui présente. Et donc j'aime beaucoup parce que c'est pas d'un truc super sérieux et super gnangnan. Comme on a pu connaître un peu peut-être dans nos cours de droit ou je ne sais quoi. Et c'est super bien expliqué, j'ai tout compris, les vidéos sont courtes et efficaces. Et puis ça n'enlève rien, je la trouve très jolie cette femme. Donc voilà. Chaîne suivante, c'est la chaîne... Ouais, dans les 5 que je vais vous présenter, c'est la... Comment dire? C'est la première dans laquelle je me suis abonnée. Voilà, c'est celle à laquelle je suis abonnée le plus longtemps. C'est la chaîne de Absol Vidéo. Donc, alors je regarde un peu en dessous parce qu'en fait, mon PC est juste en dessous de vous. Donc, c'est une chaîne qui parle de un peu tout. Il fait des courts-métrages, oui, des courts-métrages. Donc, il a fait des courts-métrages, je les ai pas regardés, hein, honnêtement. Je regarde plutôt les vidéos qui sont... Comment les catégoriser? Il aurait tendance à lui à se catégoriser dans des vidéos critiques. Je sais pas, appelons ça comme ça. Donc pour vous donner des exemples, le putaclic par exemple, les vlogs et la vie privée, les enfants utilisés sur YouTube, encore une fois, la maltraitance animale par exemple, et une dernière, la nouvelle mode des critiques sur YouTube, voilà, où il est avec d'autres YouTubeurs et j'ai perdu leur nom. Donc voilà, ce genre de vidéo, et j'aime beaucoup. Donc ces vidéos sont plus longues, de quoi? De 10 à 20 minutes en général. Mais moi honnêtement, la longueur des vidéos, ça me dérange pas du tout. Donc voilà. Ensuite, troisième chaîne. C'est la chaîne d'Emily. Non, Amy, pardon, LTR. Je pense que ça se prononce comme ça. Alors peut-être que vous la connaissez. Elle fait des vidéos en tout genre. Et je me suis abonnée surtout pour ses vidéos tatouologiques, comme elle l'appelle. Donc par exemple, la première parle des significations les plus connues. La troisième, des différents styles, etc. J'ai bien aimé cette série, donc je me suis abonnée du coup. Et puis après, qu'est-ce qu'elle fait d'autre finalement? Parce que elle fait un peu des maquillages, un peu comme Amy Makeup a pu faire par exemple. Là, je vois par exemple la véritable histoire de la Belle et la Bête qui dure 10 minutes. Elle a un genre de maquillage de griffure en fait au niveau du front ou ce genre de choses. L'avant-dernière où il y a marqué Freddy m'a tué, elle a tout un truc qui va jusqu'au cou.
beaucoup. Et par exemple, là, par exemple, les basiques numéro 2, impact de balle, ou comment simuler la mort pour rater les cours. Voilà, j'adore en fait. On voit qu'il y a quelque chose, qu'il y a du contenu, qu'il y a quelque chose derrière ces vidéos, et puis elle sait tourner ça originalement sans faire tuto, impact de balle. Voilà. Donc voilà, forcément, j'aime aussi. Quatrième chaîne, déjà avant-dernière, une chaîne à laquelle je viens à peine de cliquer sur le bouton s'abonner, c'est la chaîne de Fabien Olicard. Voilà, donc il y a beaucoup de vidéos de mentalisme, mentaliste, pas la série, rien à voir. Encore une fois, pour vous donner des exemples, ah oui, trouver à quoi une personne pense, et qu'est-ce que j'ai regardé juste avant, comment lire dans les pensées, en 3 minutes. Donc voilà. Et franchement, c'est pas abusé, ça fait pas gros charlatan, c'est super intéressant. Même si le mot mentaliste peut paraître comme ça, c'est quand même super intéressant. Donc voilà. J'en ai regardé que 3 pour le moment. Donc je vous dis, ça fait même pas une demi-heure que je suis abonnée à sa chaîne. Donc elle, c'est la plus récente. Et entre les deux, je me suis abonnée cette semaine aussi. Donc quand je vous dis que c'est des abonnements récents. La dernière chaîne, c'est la chaîne du tatou, qui était auparavant la chaîne des questions cons. Voilà, donc peut-être que vous y étiez déjà abonné. Donc voilà, donc la chaîne regroupe les vidéos, peut-être que vous connaissez, vous êtes déjà abonné aux autres chaînes. Hein. Donc les questions cons, Top et Beauty, je vous dis les noms, hein, que après ça se trouve c'est même pas ça du tout. Union, Film... Maintenant tu le sais. Dis-moi pourquoi. Donc et ben voilà, j'ai déjà fini. J'espère revenir pour une vidéo. Je l'espère, je vous promets rien, donc je vous en dis pas plus. Pour une autre vidéo qui concerne scrapbooking. Voilà, je vous en ai dit plus et ça s'arrête là. Et donc voilà, comme je suis pas sûre d'affaire. Je vous en dis pas plus. Voilà, il faut que j'arrête. Je réfléchis si j'ai des choses à vous dire. Non. Et donc voilà. Donc je vous remercie de m'avoir regardé encore une fois. Et je vous dis à bientôt. Ciao.